En Afrique, on dit que la parole des anciens est un médicament. Pourtant, cette petite fille est malade. Elle ne peut plus marcher et sa mère ne veut plus travailler. Ici, au pays d'Ogon, au Mali, on dit que Yoro, la maladie du grenier vide, l'a enchaînée. Sa maladie, la drachinculose, est due à un ver parasite, le dragono ou ver de Guinée. La drachinculose se contracte en buvant de l'eau insalubre. Cette maladie existe encore dans les régions où les points d'eau sont rares et lorsque la même eau est utilisée pour tous les usages domestiques. En pénétrant dans cette eau stagnante pour puiser, le malade trouve en même temps un soulagement à la brûlure atroce provoquée par la sortie du ver. Et ce ver femelle, lui aussi, a besoin de la fraîcheur de l'eau pour expulser les millions de larves dont il est rempli. Dans le zooplancton, abondent des crustacés de 1 à 2 mm au nom mythologique, les cyclopes. Ils sont très voraces et dévorent aussitôt les larves. Ainsi, le cyclope joue le rôle d'hôte intermédiaire. Sans son intervention, le cycle ne peut aboutir. C'est en buvant de l'eau contenant des cyclopes infectés que la drachinculose se contracte. Cette année encore, les greniers sont vides à Lingari. Plus de la moitié des villageois a été contaminé, incapable de participer aux travaux des champs. Yoro, la maladie du grenier vide, les a enchaînés. Au cours d'un périple qui aura duré toute l'année, la larve a subi des transformations spectaculaires dans le corps du malade. Devenue adulte, la femelle peut atteindre un mètre de long. À l'approche de la gestation, bourrée de millions d'embryons, la femelle migre à travers le corps de son hôte, perforant sur son passage les tissus, provoquant des douleurs vives, en franchissant les articulations et en se pelotonnant dans les muscles. La maladie se déclare vraiment lorsque ce long ver creuse à travers la peau un ulcère pour émerger, produisant alors une violente inflammation des chairs. À la souffrance et au handicap du malheureux s'ajoute le danger d'une surinfection des plaies. L'extraction soigneuse et progressive du ver et l'application de pommades antibiotiques
permet d'éviter des complications et de soigner le malade. Il suffit qu'un seul pied ou qu'une seule main hébergeant le verre soit en contact avec l'eau pour contaminer la mare du village, renouvelant ainsi le cycle de transmission de la maladie. L'unique responsable de l'entretien de ce cycle est donc l'être humain. Bien qu'il n'existe ni médicaments, ni vaccins pour prévenir ou guérir cette maladie parasitaire, il est possible de rompre définitivement la transmission de la maladie. Pour mettre un terme à ce fléau inacceptable, encore présent dans 18 pays en développement, d'Afrique et du sous-continent indien, l'Organisation mondiale de la santé mobilise la communauté internationale et dirige la lutte pour faire disparaître définitivement la drachinculose de la planète. L'une des mesures d'urgence est l'assainissement des points d'eau dangereux au moyen de produits chimiques. Ces produits détruisent les cyclopes et ils sont sans danger pour la santé des villageois. La préférence est donnée aux méthodes de lutte acceptables et acceptées par les communautés villageoises. Ainsi, l'utilisation de tamis fabriqués par les artisans du village, avec les produits et les moyens locaux, s'avère particulièrement efficace pour filtrer l'eau de boisson. Le tissu de coton produit et commercialisé sur place peut convenir pour filtrer l'eau et retenir les cyclopes dans ses mailles. Il est cependant préférable d'utiliser de la soie à bluter en nylon, dont les mailles parfaitement calibrées et lisses assurent une meilleure protection contre le cyclope infecté. Nous avons voulu initier une méthode et faire savoir à travers notre pays que la maladie n'était pas seulement une affaire de blouse blanche ou de blouse jaune, c'était une affaire de tous. Des responsables politiques, des faiseurs et des leaders d'opinion, aussi bien que des malades eux-mêmes. Je suis sûr de l'éradication de la drachinculose en République du Mali. Après un an, je me suis promené sur le plateau de Gon, un peu dans la lisière du Sahara,
et beaucoup dans la région de Kaï. J'ai discuté avec les malades, les anciens malades, et j'ai prévenu également ceux qui peuvent être malades. J'ai vu l'engouement que cela a suscité au niveau de nos populations, parce que pour une première fois, des gens venaient de ville, venaient parler à ces pauvres populations de la maladie qu'on appelle communément chez nous la maladie des grenets vides. Et les résultats que nous avons récoltés sur le terrain pendant un an, grâce à l'information, la sensibilisation et à l'éducation, portent à croire que nous pouvons être au rendez-vous. C'est le rendez-vous pour célébrer l'éradication de la drachinculose. La bataille est engagée, elle sera gagnée avec l'engagement de tous, en utilisant des mesures aussi simples que filtrer l'eau de boissons suspectes pour éliminer les cyclopes, installer des forages avec des pompes, construire des margelles autour des puits. Mais si filtrer l'eau de boisson est efficace et peu coûteux, encore faut-il convaincre toutes les ménagères que ce surcroît de travail n'est pas une perte de temps. Cette responsabilité est bien acceptée, car le message est clair et les effets sur le bien-être familial immédiats. Dans certaines régions, seul un forage profond permet d'atteindre la nappe d'eau. Mais bien souvent, ces villages sont enclavés, difficiles d'accès et parfois même inaccessibles. Comme ici, à Nombori-Tioki, les habitants ont dû aménager eux-mêmes à main nue une piste de 2 km de long dans la montagne pour permettre le passage des camions foreurs. Avec le soutien de la coopération internationale, le Mali poursuit ainsi un programme de 700 forages, coordonné par le comité intersectoriel de lutte contre la drachinculose, qui réunit hydrauliciens, éducateurs, personnels de santé et autorités administratives et coutumières locales. Il faudra creuser 74 mètres dans la roche avant d'atteindre la nappe d'eau. L'entretien de ce point d'eau providentiel ne sera assuré ni par les notables, ni par les utilisateurs de la pompe, mais par un réparateur qui devra être disponible et rémunéré. L'aménagement des points d'eau traditionnels par les villageois eux-mêmes demeure la solution la mieux acceptée. Dès lors, la participation communautaire devient réalité.
Dans les régions où l'endémie sévit encore, 9 habitants sur 10 n'ont pas accès à une eau saine. Les effets d'une campagne de promotion sanitaire sont spectaculaires et dès qu'un puits protégé a fonctionné pendant une année, le nombre de cas de drachinculose chute brutalement, puis la maladie disparaît. Les mesures de lutte et de surveillance, toutes complémentaires, acceptées puis gérées par les communautés villageoises, le plus souvent par des femmes, permettent d'interrompre village après village la transmission de la maladie. Et avec un tel succès, l'objectif ultime, l'éradication de la drachinculose, suscite une immense espérance. De mémoire des plus anciens, pour la première fois, ces deux familles, libérées des chaînes de Yoro, la maladie du grenier vide, sont réunies au grand complet pour participer aux traditionnels travaux saisonniers. À l'heure du repos, pendant les plus fortes chaleurs, chacun peut désormais boire de l'eau sans craindre la drachinculose. Cette année, toutes les terres pourront être cultivées. Et plus jamais Yoro ne viendra vider les greniers du village.